bien, salut tout le monde, c'est MrBBoy45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui nous sommes en live pour tester en OPSP. Évidemment, merci Nakon pour cette opportunité. Je parle de Vampire The Masquerade Swan Song. Et installez-vous confortablement. Le jeu est sorti le 19 mai. Nous sommes sur PC et il est sorti sur Xbox, PC et PlayStation 5. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. On est parti, nouvelle game, nouvelle partie chez le prince. Je ne sais pas du tout. Les gars, on va vraiment tout découvrir. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Les vampires marchent parmi nous. On sait, Dark Funeral, évidemment, 972, si tu nous vois. Sans le savoir, nous avons bâti leur cité, combattu dans leur guerre et assouvi leur fin. Depuis des siècles, ces créatures sont organisées en sectes rivales, dont la plus importante est la Camarilla. Ok. J'aurais sûrement la sensibilité à changer. Au sein de chacun de leurs domaines, les cours de la Camarilla appliquent la Masquerade, une conspiration globale visant à cacher aux mortels l'existence des vampires. Briser la mascarade est puni de mort ultime. À Boston, les factions de vampires sont depuis longtemps à couteau tiré. Suite à une période de conflit Azel-Iversen, la nouvelle prince a scellé un pacte fragile avec un groupe de mages du sang. C'est là qu'on commence à me perdre. Connu sous le nom de Chantry Dartford. En plus d'apporter la stabilité sur le domaine, cette alliance permettra au prince de contrôler le marché du sang, le trafic de sang et de victimes mortelles qui assouvit les besoins de l'élite vampire. Ce soir, les vampires vont célébrer ce pacte. Ok. C'est un jeu de Big Bad Wolf Studio. Et je vous laisse lire. What do you see? Est-ce que vous voulez que j'augmente la taille des sous-titres? Focus on your vision. Attends. Je peux pas encore. Je peux pas encore. Je le fais tout à l'heure. Vampire, The Masquerade, Swan Song. Ok. Ok, bon. Nous sommes donc... Oh, putain, là, pour une fois que la sensibilité souris est pas trop dégueu de base. Nous sommes donc sur un TPS. It's gonna be a long night. Donc, first person, évidemment, troisième personne. Miss Lewis, welcome. Ok. Bah en vrai les gars, je comprends qu'en cinématique ça soit pas très très beau, mais là on n'est pas sur quelque chose de... C'est graphisme in-game, plutôt propre en fait. C'est pas moche, là, clairement pas, ouais. Mais après, je vois, et je pense que c'est vraiment l'animation le principal, entre guillemets, ce qui vous perturbe, quoi. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. On dirait, le mec avec les lunettes, là, on dirait un rappeur, putain, j'ai plus de blaze. He could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? We should have all left by now. Are you worried about the Code Red? I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of House Security. Voilà. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think
De m'enfanter ce soir, mais what? And he is your child? Mr. Beryl Underwood. Faut qu'il dorme, hein, le frérot. Hein. Oh putain! Je sais bien que les vampires s'habillent la nuit, mais là, les gars! Elle est choquée. Ouais, il a une tête de requin de la finance. Il est torturé par un démon. Nous avons tous un. Le beast qui prie sur lui est un love of money. If someone held a stick to his heart and cried your money or your unlife, he'd ask you for some time to think it over. It's his greed, then, that cost him your favor? Everything about him was disappointment. Never forget... C'est le héros, là, Caleb? Caleb, j'espère que je vais le jouer. And we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But... Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by... Wait for me. This won't take long. Ok, donc on est chez le prince, on est en code rouge. Question, MM. I won't let her get away with this. All right. Calm down, Dijon. Where's Journey? Allez répondre à la convocation du prince. She was in charge of the party. Ça fait beaucoup là, non? Il est où le prince? Hazel. Come in, MM. Ok. Il est bizarre, ferme la bouche, frérot. Ok, c'est donc le prince. Il faut dire le, il faut pas dire là, les gars. C'est le prince universel. C'est le monde des vampires, ok? Vous connaissez pas le monde des vampires comme moi je le connais. Everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the code red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. C'est dommage qu'ils aient pas doublé en français, ça aurait pu être sympa. Bring Journey to me. Ok. Bah, elle y est pour rien, mais j'en sais même pas si elle y est pour rien. Ouais, je vais lui demander pourquoi au moins. Parce que si elle veut lui casser la gueule, à la limite. Bon, ça va, elle a que quelques questions à lui poser. Si les erreurs étaient faites, je dois savoir ce qui s'est passé. Je suis sûr que votre ami aura beaucoup à me dire. Ok. Et si je la contredis, ça peut partir en cacahuète? On va essayer. She hasn't done. Les gars, on est des vampires, on n'est pas être... Ça va, on peut se permettre d'être toi, c'est à moi de juger. Ok, fin de conversation. Bon, bah yes, apparemment... My prince. I'll be right back. Apparemment, j'ai pas le choix que de livrer ma pote. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda... Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. C'est moi! Quentin King! It's been going on for months. C'est incroyable! They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Alors, ça fait plusieurs mois que ça dure, il s'oppose systématiquement à mes directives, il est temps que ça cesse. On parle de Quentin? Quentin King? Les gars, tu vas laisser Quentin très vite tranquille, ok? Casser la gueule, rien à péter. Je garde le silence parce que de toute façon, j'ai pas trop le choix. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? I what? You've always taken care of your community, MM. Without ever asking MM, for elle s'appelle. Anything c'est, in return. C'est bizarre. C'est pas... MM. J'arrive pas à dire si c'est bizarre, enfin si c'est... C'est original de ouf, MM. Il y a des gens qui s'appellent MM dans la vie.
I'm her prince. She will obey me. She's not. Vous avez déjà vu ce prénom? I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? Jamais entendu. Je n'aime pas la cour. Mais non, je dois y réfléchir. Laissons toutes les possibilités, évidemment. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM. I know you'll be up to it. But we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. Ok, on va voir Sylvia. Do it. You won't be able to hunt tonight. Tu ne pourras pas chasser ce soir. Mieux vaut être prévoyante. Bring me Journey. Mais non, je veux chasser, moi, les gars, je suis un vampire. I have the je suis une vampirette. Confidence in you, MM. Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? Elle est énervée, elle. Hein. Là, c'est une zone sûre. Les proies se révèlent naturellement à votre approche. Pour vous nourrir, il vous faudra d'abord trouver une zone sûre pour y attirer une proie. Préférez les proies isolées. Ah ouais, trop bien. Vas-y, on emmène qui, là? Choisissez votre proie. Ok, ok, ok. Tiens, viens, Bibiche. Désolé, hein. Do you need me? La petite Clara. Come on. It won't take long. Yeah. Ok. Bon, je l'ai convaincue, mais tel un Jedi, hein. Elle a pas trop le choix de se faire graille, hein. Moins de 18. Moins de 18. Ça va, ça va, ça va. Ok, le baiser. Les vampires usent de leur pouvoir pour charmer ou soumettre des proies et apaiser leur faim. Lorsque vous vous nourrissez sur une proie, vous avez l'occasion de contrôler la quantité de sang que vous voulez lui prélever. Maintenir le bouton appuyé augmente la quantité de faim éliminée. Si vous n'appuyez pas sur le bouton et que vous ne le relâchez pas avant que la barre atteigne son maximum, la proie meurt vidée de son sang. Ok. Donc là, elle va pas mourir. Elle va pas mourir. J'ai relâché sans faire exprès. Merci Florent pour le 23e mois. Merci Boca pour le 38e. Elle va survivre. Certaines proies, leur sang étant chargé d'émotions, possèdent une résonance que votre personnage obtient après s'être nourri. À la fin d'une scène, une résonance confère un bonus d'expérience. Seconde morsure, si votre proie survit, vous pourrez vous en nourrir une seconde fois. Cependant, cela entraînera sa mort et augmentera la suspicion. Ok, donc j'ai décidé de la laisser vivante, mais si jamais on a la dalle, frère, ici, il y a la petite réserve, tu vois. Ramener Journey à Prince, rejoindre les appartements de Jara. Jara l'exploratrice. Non-retour. Action de non-retour. Les choix signalés par une flèche vous engagent dans des voies sans retour. Avant de sélectionner une zone, assurez-vous d'avoir terminé la zone que vous explorez. Wow. Pourquoi vous mettez la pression comme ça, les gars? On peut pas juste jouer et s'amuser? On va checker là, hein. Sans un malentendu, hein. Oh non, je peux rien faire. J'ai aucun pouvoir. Je suis inventé. Putain, les portes. Frérot, toujours plus grande la porte. Ça fait bizarre parce que la poignée, elle est parfaitement en bas. Mais la porte, elle est longue. Elle est toute longue. Bon, allez, c'est parti. Action de non-retour. On est mort. Oh là, oh là. C'est une caricature, j'espère, parce que... No fucking way. Shit. So, this what? Is where you've been oh, hiding. Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Ouais, j'en ai chié quand même pour la retrouver, hein. What the hell is going on? Shit, mem. It's a fucking nightmare. The code red is definitely because of the party.
April told me Hazel was gunning for me. She thinks I'm responsible for this shit show. Ah. So, you're hiding in Drury's room? Donc en fait, le prince pense que c'est elle qui est responsable de tous les problèmes. I saw that Jara had the file on the party. It's got all the contracts and stuff in it that will prove I did my job right. But I can't find them. It was my only shot to defend myself against her. Hey, slow down. It's gonna be all right. They don't have anything on you, do they? No, of course not. I did everything right, ma'am. I was the one who rented the place. Same as always. Rooftop, away from prying eyes. I met with Richard to organize the vessels. I arranged for limos to be sent for the Hartford Chantry. I went through the same secure limo agency as usual. They're ours, so there's no risk. What the hell could have gone wrong? I don't know. But there's no time to think about it. Hazel wants to see you. I... And she asked you? Wow. En vrai... En vrai de vrai... Je pense qu'elle devrait s'enfuir. Mais... J'aime pas sa coupe de cheveux. Donc, il doit y avoir une punition quelque part. Tu vois ou pas? En vrai de vrai. Dans la vraie vie, j'aurais dit fuis chacal. Parce que sinon, c'est terminé pour toi. Mais, hé. Hey, il faut punir. Il faut punir. Il faut punir. Et peut-être que le prince va bien me kiffer, tu vois. Merci Salt Infinity pour le 34e mois. Merci Monsieur Fanatic pour le 9e mois. Et Nilin pour le 19e mois, ainsi que Shanna pour le 22e mois. Allez, go. Un APT. I'm sure you can explain everything. I'm scared, ma'am. N'aie peur, tu vas sûrement mourir dans d'atroces souffrances. I'm here. I'll follow you. Je l'ai envoyé au charbon, hein. C'est terminé, hein. Les gars, dites-lui au revoir, hein. Je pense que la sentence va tomber. On passe à un autre personnage. Donc on saura pas ce qui est arrivé. Oh non, c'est très frustrant. Parce que je joue jusqu'à 22h. Donc on saura jamais ce qui est arrivé. Au pire, elle, je peux la faire en mode touche à tout, tu vois. Cote à combien elle passe par la fenêtre? Je pense qu'elle va vraiment mourir dans notre souffrance. Hein. Zéro expérience disponible. Ma vie est nulle. Parce que c'est la première scène qu'on va jouer avec elle. Bon. Ah ! Ah ! The Punition ! Leisha. Ah non. It's good to see you. Elle va me donner une autre mission. Ramène-moi et même qui ramène journée. How was your reunion with Halsey? Thank you, Hazel. Your gift was wonderful. You shouldn't have troubles. Ok, donc on joue trois personnages différents hein, durant tout le long de notre aventure. Le mec et même et Leisha. Good evening, Leisha. Oh, il est une voix lui, mon ref. How are you feeling? I feel great, better and better since I got my little sugar friend. Merci, Glorious Flow, pour le 26e mois. I haven't seen Richard yet. Does he know I've been released from the Institute? No. I'm the prince. It was my decision. He is your psychiatrist, but you don't need his permission for everything. He wasn't at the party, was he? I'm searching for everyone who's still missing. Don't worry about him. Thank you. Leisha, I know I can be frank with you. For 4 years, I have been working to heal the city's wounds. You've already helped me avoid traps in the past. Okay. Donc en gros, c'est un jeu d'enquête vampirisque. Vampiresque, peut-être, je dirais. That was a long time ago, you know. I can barely. You've helped me to foil conspiracies, make the right decisions for the domain. You're not like the other children of Malkav. Quentin King knew that. The Mad King. I remember, yeah. Comment ça, moi, je suis le roi fou? I had you released from the Institute because your premonitions are the most detailed. The most accurate.
I wanted them to help me understand the Chantry's hand more clearly before we signed our agreement with them. But this alert changes everything. I need to understand what's just happened. Did you sense anything, possibly about what happened tonight? Est-ce que t'as pressenti quelque chose, peut-être à propos de ce qui est arrivé ce soir? Soit je lui mens pas, mais vas-y, je lui mens pas. I saw images, but they had nothing to do with this party. It didn't make any sense. It was a long white blanc. Hallway. It's a little early for sure, but it's a good start. I'm sorry, I can't be of more help. Don't be sorry. There's something else you can do for me. Hey, le prince, your discretion can still ça va, tranquille, on ne gêne pas. I need to be sure that none of the members of my council are going to take advantage of the situation. On va se taire pour voir. You and Delson are the only two people I trust entirely. The members of the council have their council lodgings here. It gives them the impression that they have power. And it means I can keep an eye on them. Ouais. I'm going to give you the key. Go and see if you find anything that could make me doubt their loyalty. Bon, en gros, elle me demande d'espérer son conseil, quoi. All right. Merci Alexandra pour le 10e mois, comment ça va? Bah là, on découvre le jeu. Oh non, elle fouille encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis invisible. Ah, mais je suis invisible. Ok, on reprend là où on en était. Céder à une prémonition, restez concentrés. So this is where you've been hiding. Oh, j'aurais dû regarder la prémonition. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, mem. It's a fucking nightmare. Ok. Effectivement, c'est comme un Détroit, hein. C'est un jeu à choix. Mom, I'm going to Ritzworth to see if he has my teddy. Okay. Okay. Come and find me when you're done. I hope Journey hasn't come looking for the same thing as it. Hmm. Okay. Hello, ça faut pas faire ça, frère. C'est pas ça que je voulais faire. Ça, c'est mentise, les gars. Je sais pas qui prend des photos comme ça, hein. Bizarre, hein. Okay. Ok, vas-y, on va prendre les gigaportes. Les fucking gigaportes de l'enfer. Ça me fera toujours rire. La poignée est en bas, mais la porte est gigantesque. Bon. Attends, quoi? Non. Alors, en vrai, je trouve que c'est magnifique. Mais, miskin l'animal. Ouais, je reconnais ça. This knife has blood on it. Corbeau, son sang, les gars, c'est un rituel de catégorie 8. C'est un truc ninja. This knife has blood on it. Corbeau, couteau. Regardez. Un corbeau. Non, c'est pas ça. Aimant, bol d'argent. C'est pas ça. Animal sacrifié, votre propre sang. Bougie, crâne. C'est un rituel de restauration. Il y a quelqu'un qui a voulu restaurer, frère. Ça, voilà. Le crâne, le corbeau. Donc la, pas le corbeau, l'oiseau. Donc l'animal, c'est un rituel de restauration. Je connais bien ça. À l'époque où j'étais vampire, on faisait beaucoup ces choses-là.
Je sais pas ce qu'il a voulu restaurer. Peut-être une carte Pokémon de Dracaufeu de première édition. Voilà, voilà. Ah là 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 là. Putain, mais tu peux rester bloqué de ouf. Code rouge a été émis sans aucune nouvelle. Le prince, négociation, mes couilles sur ton front, ok. He didn't finish his letter. But that'll be enough for Hazel to make up her mind about him. Ah, c'est ça le rituel, c'était pour rendre la lettre invisible. Invisible. Les potes, faut qu'on trouve la solution. Non, parce que c'est, vraiment, ça va me torturer, les gars. Ça va me torturer, hein. S'il vous plaît, que quelqu'un ait une solution, là. À deux doigts de bouillir. J'ai une meuf, je peux que être invisible. Derel, il veut plus entendre parler de moi. Les gars, personne n'a une idée. Mais là, les gars, il faut qu'on trouve des renseignements de Jara Drori. On est d'accord? Sauf que j'ai fouillé tous les apparts possibles et j'ai fait toutes les interactions possibles. Mais je vois pas. Ah, peut-être... Non, attends. Non, c'est bon, c'est bien fermé. Les gars, ça là, il faut que je lise ce PC et ça. Mais pour ça, il faut que l'autre, elle dégage. D'accord? Apparemment, elle a que deux tenues. Hein. Et ça, elle est comme dans Naruto, c'est les deux mêmes tenues, frérot. Regarde. Mais pour ça, faut que je me débarrasse d'elle. Lui. Lui, il est insupportable, c'est qu'un con. Voilà. Je ne vois pas. Là, il me manque deux gouttes. Vous arrivez à comprendre ça ou... Table de nuit, la lampe. This is what Hazel asked me to bring her. Ouais. Je vais briller. Je vais briller. Frère, si tu passes à côté du pixel et que ça t'affiche pas le truc, t'es mort. T'es die. Ça me rappelle les jeux à l'ancienne par contre. C'était ça, à l'ancienne, c'était la street, frère. Bon, bah au moins on a fini cette scène, je suis content. J'aurais mal dormi. Je vous le dis, j'aurais mal dormi. Oh là là, putain. I'm all ears. Everything went all right. Non, tout s'est pas bien passé. I could count on you. Was Halsey a good girl? Yes, as usual. Good. Were you able to find anything interesting in Ms. Drury's apartment? Oh, yes. There was intel she had gathered on the guests, including those from the Hartford Chantry. Mais on aurait pu trouver le coffre. Et malheureusement, on ne l'a pas ouvert parce qu'on n'avait pas assez. Yes, he seems to be obsessed with memory magic. Terrible, interesting. I gave everything to Delson. Thank you. I'll take a look at it later. Were you able to see or hear anything interesting? Hilda was in her room. She was acting strangely. Bon là on balance tout, hein. On en a chié, on balance tout. Whispering things, talking to a picture of a man. Touching, but that's of no importance. At Dijon's, I found a letter addressed to the Salem Chantry. Did he betray me for the Warlocks? I don't know. It just. Yes, one of my. Bon, gros, elle, c'est la balance du groupe, hein. Bar, the Red Salon, as that's where he does his research. Et même, c'est celle qui essaye d'arranger tout le monde, on va dire. Et le monsieur, on sait pas, parce qu'on n'aura pas le temps de faire sa scène, malheureusement. On est resté bloqué une demi-heure sur une boîte. Parce que là, terrible, hein. Ah, bah tiens, on parle de ça. Incroyable récompense. Vous avez contrôlé votre pouvoir, vous avez espionné la conversation, ok. Chaque scène se conclut par un résumé sur vos... Les gars, on vient de faire qu'une scène, là. Oh my god. Ok. Écoutez, on va s'arrêter là. C'était donc Vampires The Masquerade. Sorti sur PC, Xbox et PlayStation. C'est un jeu très construit,
très décousu au début parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui nous arrive. On sait que c'est un code rouge et qu'on est à Boston et que nous incarnons des vampires ayant chacun un business évidemment bien à lui. Et nous devons atteindre, je suppose, la fin de l'ordre chronologique des choses. Et nous avons aussi donc un prince. C'est un jeu, comme je dirais, c'est un jeu d'enquête, un petit peu à la Détroit, d'accord ? Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Je ne sais pas quel nom ça porte exactement en troisième personne. C'était très sympa. Si vous voulez en savoir plus, point d'exclamation, vampire. Sinon, lisez la description sur YouTube. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien et à bientôt, tout le monde. Bye bye.